un équipement spécial marathonien, tel un explorateur. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup le pseudonyme Mamorage. Ça fera plaisir à Mamoki, qui dans les deux derniers épisodes de l'aventure en duo, a pas mal ragé. Ça m'a beaucoup fait rire. Le serveur, c'est Dalaran, côté Alliance, forcément, un gnome. Allez, 2 minutes avant le départ. Je donnerai le départ sur le slash 1. Alors qu'on me donne des chewing-gum roses. Je sais pas à quoi ça sert. Ok, ça permet de mâcher du chewing-gum et de faire des bulles. Forcément. Inutile, donc indispensable. Allez, encore 1 minute avant le départ du marathon. Avant cette grande épopée. Alors, j'en vois qui ont fait appel à des amis en méca bécane pour aller plus vite. Mais le but, c'est d'y aller à pied, de tous s'amuser. Allez, une petite minute avant le grand départ. Alors si c'est tout sombre comme ça, c'est parce que quelqu'un a posé un jouet, un totem, qui transforme simplement le paysage autour de soi. Allez, on va y aller quelques secondes avant le début. Bon, je prépare mon petit message. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le marathon d'Azeroth? Tous ceux qui jouent au Meltdown. 3, 2, 1, c'est parti! Allez! Allez, la course qui a démarré, la course de gnomes tout nus à travers Azeroth. On remarque tout de suite hein, ceux qui ont fait le bon choix de prendre un moine comme moi. Eh bien, on a un petit avantage. Regardez, je double tous les gnomes. Je suis plus rapide qu'eux et je vais donc pouvoir rejoindre le groupe de tête. On voit tout le monde qui suit derrière, une grande armée de gnomes. On est accompagné de joueurs haut niveau qui vont sans doute nous aider à tuer les monstres sur notre passage. Alors c'est important de trouver son chemin. On va aller à Forgefer, c'est la première destination intermédiaire. J'en vois devant moi qui sont assez sûrs du chemin à emprunter. Et la horde de gnomes à poil juste derrière moi, on doit être une belle centaine à faire ce marathon d'Azeroth. Et bien ceux qui nous rejoignent sur le stream, si c'est trop tard, et bien venez avec un personnage un peu plus haut niveau. Allez, c'est parti. Alors je rappelle le principe, ça va être de rejoindre Forgefer où on va prendre le tram, un moment clé de la course, puisque ceux qui auront le tram en premier prendront une avance considérable, tandis que ceux qui louperont le tram et bien devront attendre le suivant et risqueront de perdre énormément de temps dans ce marathon. Alors on voit que la tête semble menée par Meltdown Rush, quelqu'un qui a choisi son pseudo pour l'occasion. Je ne sais pas s'il est ici dans la salle ou pas, ou s'il est sur internet. On en voit certains qui se prennent pas la tête, qui ont simplement demandé à un niveau 100 de les prendre dans leur méca bécane, enfin la bécane de méca ingénieur pour être précis. A noter, l'astuce pour aller plus vite, c'est de jouer moine, parce que le moine, de base, avec la posture du tigre féroce, il a un buff de vitesse de déplacement naturel. Bon alors, il faut juste qu'on trouve le chemin, que je raconte pas n'importe quoi. La forge fer est juste là-haut. Il faut monter là-haut. C'est tracassez pas, sur mon live, vous passerez à la télé. J'en ferai même un petit best-of sur mon YouTube. Des nains et des gnomes, au passage, qui n'ont pas de capitale en fait. C'est un peuple qui n'a pas de capitale dans World of Warcraft. Et on va aller prendre le tram pour Hurlevent. Moi, d'abord, alors, bon, on voit que le gros du cortège est derrière moi. C'était marrant parce que tout à l'heure, je discutais avec des joueurs qui étaient ici au Meltdown. Ils me disaient, ouais, t'as créé quelle classe et tout. J'ai créé un voleur. J'ai dit, bah écoute, j'ai créé un moine. Parce que moine, c'est la classe qui permet d'aller le plus vite sur des courses. De niveau 1 à 5, je sais pas à partir de quel niveau c'est moins pété, mais en tout cas, moine c'est la classe la plus optimisée pour les courses, pour les marathons. Alors on voit énormément de monde qui s'apprête à pénétrer dans Forgefer.
et je salue tous ceux qui nous rejoignent sur le stream, sur Twitch, pour suivre cette course à distance. Alors bien sûr, on peut pas prendre de fly, hein, c'est pas vraiment le principe d'une course, et on peut pas prendre de taxi volant, on doit tout faire à pied, tout avec de l'huile de coude tout simplement. On voit hein, le regroupement de moines en position, il y en a même certains qui ont un super équipement de gnome, de plongeur gnome. Allez, en direction le tram de Forgefer, pour continuer cette épopée, on va aller à Hurlevent à l'aide du tram des profondeurs. Et là, ça va être décisif. Qui va avoir le tram en premier? Qui devra attendre? Bon, je pense que si jamais il n'y a pas trop de monde, j'attendrai les retardataires pour être avec le gros du peloton. Et je rappelle que cette soirée, cet événement est streamé en direct depuis le Meltdown de Paris. C'est un bar e-sport. Il y a une quinzaine de personnes qui jouent autour de moi et bien plus de personnes qui nous regardent, qui assistent en direct à cette soirée. Il faut savoir qu'il va après y avoir de nombreux loot et goodies à gagner que Bizarre a généreusement offert pour la soirée. On aura des lunettes WoW, un t-shirt, des posters WoW et même un magnifique artbook de World of Warcraft que j'ai personnellement chez moi et qui vaut vraiment le coup. Allez, on arrive au tram des profondeurs, le moment je dirais charnière avec le bateau de baie du butin pour la course de gnome. Alors est-ce qu'il est déjà là? Non, il n'est pas encore là. On arrive au bon moment, mais est-ce que tout le monde va avoir le temps de l'avoir? Je ne suis pas sûr. Ah, c'est là qu'on voit si on a une bonne connexion ou pas. Pour le peloton de tête. Ouais, c'est parti. Alors la question c'est toujours de savoir est-ce qu'il arrive à droite ou à gauche. Il faut vérifier. Alors on voit qu'il y a du monde qui arrive. Finalement ça va être le regroupement général et la course qui va être relancée. Ah, le tram qui arrive, voilà, allez on allez vite. Alors il faut juste choisir le bon wagon. Voilà, c'est parti. Alors là on va être des cinquantaines par rame. Alors est-ce que tout le monde va réussir à avoir le tram? C'est pas sûr. J'en vois qui arrive encore et non. Désolé. On est parti, adieu à tous ceux qui n'étaient pas là. Et là, on est un bon petit paquet. Alors voilà, la course qui se sépare en deux avec ceux. Alors je vais regarder un peu autour de moi. A priori, tous ceux qui jouent au Meltdown ont réussi à avoir le tram. Bravo, bravo, je vous félicite. Vous représentez bien le Meltdown. Personne ne semble avoir loupé le tram ici, à Paris. Alors qu'est-ce qui fait le tram là? Que c'est merde. Hein? Annie, on partira en last minute. La même chose. À noter que dans ce tram des profondeurs. Ah, le voilà! C'est parti! Ouais, je suis en train de le streamer aussi en même temps. Allez! On arrive dans quelques secondes. Il y a 30 secondes, je crois quasiment. C'est parti! Allez, t'as le monde! C'est ouf, quoi! Wouhou! Peloton de tête! Ah merde, je me suis trompé, j'aurais dû passer par la droite. Et je stream aussi en même temps, Mami Twink, hein, elle me fera. Quelques hectomètres. Et là, on va aller dans la forêt des lunes et la marche de l'ouest. Et là, ça va commencer à être un peu plus tendu parce que des monstres de haut niveau, enfin plus haut niveau que nous en tout cas, vont commencer à nous attaquer. Et donc, le tout va être de ne pas mourir. Sachant que dans Hurlevent, il y a plusieurs chemins possibles. Chacun va prendre son chemin, à voir lequel est le plus rapide. Moi je me souviens plus exactement. Alors réfléchissons, ouais, on va passer par là. Hurlevent, la capitale des humains, envahie par les gnomes, tout nu. Alors qui est-ce qui est en tête pour le moment? J'ai l'impression. Alors j'ai pas réussi à le cibler. Oh non! Oh non! Alors, ah bah non, ça, y'a personne qui attend. Hein. On voit que, oh putain le bordel! Il y a même un raccourci en sautant au-dessus des murs, des vrais professionnels de marathon dans World of Warcraft. Alors on remercie d'ailleurs tous les joueurs de haut niveau qui sont là pour nous accompagner et tuer sans doute les monstres qui se mettront sur notre passage.
Hop là. Salut Tex, son cerf-volant il me fait chier là. Plusieurs tactiques vont s'imposer, certains de soutenir, faire quoi en fait. C'est une course. Ah ouais, ok. Et tu gagnes quoi si jamais t'arrives premier? Je bois. Et du bois de la pénombre pour arriver plus rapidement. Au bois de la pénombre? Oh la vache, mais ouais. J'ai pas le temps de faire ce qu'il fallait pour. Préférer, je trouve que c'est un risque de prendre la rivière du bois de la pénombre. Heureusement que j'y ai pensé parce que j'étais en train de regarder le stream de Gerkens là, mais. Ouais. Il y a une histoire, je t'expliquerai plus tard. Alors je suis désolé pour tous les retardataires, je ferai sans doute une petite halte à Baie du Butin pour vous attendre. Parce que je vous rappelle à Baie du Butin. Je t'entends très très mal. Comment ça se fait qu'il y a des taurennes passer sur Kalimdor? Je sais pas. C'est vrai que là, la tête du peloton qui se démarque. Ah ouais, non, c'est une transformation en fait. Du groupe. Alors là. Le plus rapide, c'est de couper à travers les bois pour arriver dans la marche de l'ouest. Est-ce qu'on aura des personnages haut niveau pour le faire? Je n'aimerais pas mourir. Mais c'est en tout cas le plus rapide si on veut arriver le premier. Alors je vois que les gens prennent le chemin. Certains gnomes font comme moi, coupent à travers la forêt des Luines. Là, le tout est de ne pas mourir. Alors je sens que ça va être bordel. C'est excellent. Des araignées. Oh là là, des bandits niveau 9. Alors, eh oui, c'est une petite course. Alors, j'aimerais bien voir où passent les autres. J'ai pas eu le temps de me préparer aussi pour faire la course de ma meeting. Ça va, je suis encore en vie. Mais je suis quand même sur la course, hein. Je suis assez content, alors ça va. Le but étant de passer par la... Je mettrai ça sur mon YouTube, comme ça fera une petite vidéo. On ira ensuite dans la vallée de Stranglerons. Alors je vois que devant moi ça débat sur le meilleur chemin à prendre ta douche, toi. Je sais pas, je pense que j'ai pris le Fanny, meilleur. Fanny, ça fait 25 enfin, si minutes qu'elle me dit, je vais aller prendre ma douche. Parce que là, ouais, moi aussi, des fois, c'est comme ça. Et puis en fait, tout compte fait, ben... Voilà quoi, il est 18h. Tu dis ça à midi et en fait, il est 18h. Je pensais à prendre la petite tortue des mers seront forcément avantagées. Non, c'est tu tentes quelque chose. Bah, tu veux que je chante quoi? J'ai rien! J'ai pas eu le temps de faire, j'ai le... Merci au personnage au niveau qui me protège du coup. J'avais la tortue, mais avec j'ai pas eu le temps. Meltdown Rush qui, je pense, est toujours en tête, c'était celui qui était en tête tout à l'heure. À moins que quelqu'un... Oh, mais ça sert à rien, tu sais, à mon avis, je suis dans les derniers déjà. Certains sont rapidement tentés de prendre une petite monture volante avec un ami. Mais le but, c'est de s'amuser. D'arriver premier. Le serveur c'est Dalaran, bien évidemment. Alors je vois que je vais suivre Meltdown Rush qui semble s'y connaître en termes de marathon. Là, le but ça va être de traverser la marche de l'ouest en diagonale. Donc je pense qu'il a bien raison. Oh putain! Oh putain! Oh putain, ça va, il y en a qui là, gros, ça va. Alors qu'on me demande d'attendre les gens. Mais on est en train de couper par la forêt, mais il y a des, des petits levels, des hauts levels, enfin des level 5, quoi, tu vois. On va faire un oulala, où ça va à Baie du Butin. On voit qu'il y a quand même déjà pas mal de monde, hein. Pas mal de monde a suivi l'itinéraire. On suit comme un bus. Alors là, il faudrait passer en diagonale, comme ça, ainsi, sans mourir bien sûr. Alors qu'un coyote m'attaque. C'est bon, merci, on m'a sauvé. Alors je sais pas pourquoi vous perdu du temps, on voit comme par ça. Là, je... Qu'est-ce que bah je sais bien, mais je les suis, mais là je vais recouper encore un petit peu là. Deux coyotes qui m'attaquent. Est-ce que je vais survivre? C'est bon, là je recoupe un peu plus là. La tortue, elle va pas plus vite, en fait, non, mais c'est pour aller dans l'eau en fait, pour mieux nager. Ouais, quand tu dois couper, tu vois. Reste à un autre cimetière. Je suis plus sûr pour l'avoir déjà testé. Fanny, elle est du bois sur le fauteuil. D'accord, ok. Ah, je savais pas dit, nous ours, il a cassé le cul à Karine. Alors on voit d'autres gnomes. Ah ouais. Poursuivi ouais par des il a fait un hématome, là, alors là, il faut ah, j'ai défoncé. Pour arriver dans la vallée de Stranglerons. Allez, c'est parti. Le marathon de gnomes qui est disséminé. On elle, a level up. Elle est tombée dans les escaliers au niveau 3 pour ma part. Ouais, elle chantait, si elle chantait plus ses jambes. Apparemment non, mais... Ah, oh, c'était sur le coup. Je sais rien comment elle l'a fait. Bah, elle a glissé, là. J'ai glissé, chef. Elle a glissé, chef. J'ai glissé, chef. 3,
le fil rouge, le bouton rouge, le fil bleu, le bouton bleu. Et joueurs ont pris l'option la rivière, la rivière qui traverse le bois de la pénombre et la vallée de Sanglerance, mais ça commence à armer, je t'avais comme ça a neigé sur le peu de temps. Ah, je sais. Je suis pas parti avant 20h30. Là, ça armait, je me vois fond de balle. Je suis juste à force d'organiser des marathons d'Azeroth, j'ai l'habitude. Bon, alors, j'avoue que j'ai un prêt. Fanny, elle arrive, j'étais ici à la maison, t'es le volet fermé, tu vois. Je triche sans bordel sur la route. Tu rigoles ou quoi? Il neige pas. Je suis désolé, oh putain, la vache. Je vous attendrai à Bécu, putain. Alors pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on est, pour le moment on est à la moitié de la marche de l'ouest. On se dirige lentement mais sûrement vers la vallée de Stranglerance. Alors que un déchiqueteur niveau 12 m'attaque, mais je suis sauvé par mon garde du corps. Le groupe de tête qui me suit, alors je pense qu'il doit y avoir des personnes un peu plus. Oh putain, il y a un cochon là, oh my god. Il y a déjà des gens dans la vallée. Et au fait, comment tu fais pour streamer en même temps le truc du stream de... Ah, mais et ça, c'est la bête de. C'est la bête nounours. Alors effectivement, ceux qui ont choisi. C'est mon pote, Mamitung, j'ai son numéro de téléphone et tout. Non, mais je rigole. En passant par la mer. Ah non! Pas sur moi, hein! Ceux qui demandent s'il y aura des loots à gagner sur le stream, non. Tous les loots, c'est à gagner ici au Meltdown. Pour tous ceux qui sont oh putain, il y a des morts! Il y a des morts? Non, 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 ça va, ouf! Il faut faire attention, hein, putain! Putain, il y a des hauts levels, ils nous aiment même pas! Le community manager du Meltdown présente son chien, très beau chien, j'avoue. Gentil cochon. Gentil cochon. Il a un chien qui. Non, là, je suis pas mort. Je crois qu'on est bien les premiers. La tête de la course est ici. Je me demande bien où sont passés ceux qui ont choisi l'option de la rivière. Est-ce que c'était un choix judicieux ou non? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'était pas une bonne idée de passer par la rivière du bois de la pénombre. Et pourquoi ils passent tous par là? Bah ouais, je vois ça. Allez, on va bientôt arriver dans la vallée de Stranglerance en fait. Passant par le rivage. Là, ça va être un ouh, va être Joe, ça y est, il y en a qui se font... On va se faire tuer par tout type de bête, crocodile, ah oui, il faut pas être trop près de lui aussi. Ah ça, c'est bon. Quoi? Putain. Effectivement, j'ai déjà dépassé Ruiz Lune. On a dépassé le fameux phare de la marche de l'Ouest. Il faut savoir que dans WoW, il y a que 10 phares, pour l'anecdote. Oh putain! Il fait partie des 10 phares du jeu. Enfin, je crois qu'il y en a que 10 ou 9. Ah ouais, il y en a qui ont des tortues, hein, putain! Alors là, ça, c'est parti pour. Là, c'est presque même pas un marathon, c'est une sorte de. Moi, je crois qu'il va pas plus vite en fait. Et on voit ceux qui ont. Les potes, je pense pas, en fait, ça change rien. Carrément avantagés puisqu'ils peuvent. Oh, petit level comme ça. Dans la mer, et nous, on est. On est obligé d'y aller. Ça va être long. Ça va être long cette traversée. À la nage. Oh putain, il était dans l'eau, il y a des crocodiles qui lui viennent sur la tronche à l'autre. Et là. Je salue les centaines de viewers mort. Qui nous suivent en direct sur Twitch, ceux qui n'ont pas pu se déplacer ici au Meltdown. Je vais un peu jeter un coup d'œil autour de moi pour voir où en sont les autres participants. Alors j'en vois en fantôme Meltdown Rush qui est déjà. Dans la vallée de Stranglerance en fait, Meltdown Rush il est juste derrière moi. Qui a l'air bien plus avancé mais... Ah il avance un peu plus vite quand même avec la tortue. Personnes qui sont dans la mer ah ouais également. Certains qui sont... Boumima c'est toi? Bah à ton avis j'ai Boumima. Ah, putain mais je suis très très loin moi. Ah bah ouais bah juste avant j'essaye de savoir où. C'était la bonne stratégie pour laquelle il fallait opter. Tu vas lui foutre un truc pour y aller plus vite, vas-y. Franchement, ça c'est. Oh là 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 là, faut pas aller, attention là, putain, c'est chaud. Alors on voit. On est un petit gros. Je sais pas exactement où. Y'a des crocodiles et tout là. Oh putain! Je crois qu'ils sont. Non, pas sur moi! Pas sur moi! Oh ça va, c'est pas sur moi! Ça va être très long. Oh, putain, y'a un mec qui se fait embuter! Rejoindre le rivage à partir d'un moment. Putain, t'es bien remonté là, Nounou. Ouais, ouais, je suis bien remonté là. Il y en a plein qui se font buter et ils passent à l'avant. Ils se font voir par les crocodiles et tout, et là ça devient chaud là. Oh
Ouais, bravo Fanny, tu vas prendre ta douche. Alors j'en profite pour rappeler pour ceux qui sont ici à la soirée, il y a des cocktails spécial Alliance, spécial Horde de créer. N'hésitez pas à aller en commander. Putain, j'ai pas osé avancer, putain, j'ai perdu du temps. Soutenir votre faction préférée. Pour ma part, forcément, c'était un cocktail de l'Alliance. Mais si vous êtes tristement de la Horde, c'est bon, j'ai repris du point là, j'y reprends. Là. Allez! Alors c'est toujours la partie la plus longue et fastidieuse, cette traversée. Vous êtes deux, vous êtes hyper long là. Ah bah ouais, la course est déjà partie depuis un petit moment. Et vous devez aller jusque où? Ah je sais pas. Bien plus avancé, malgré le fait. Ah mais il faut aller jusque chez les Hordeux, je crois. Monstre putain, niveau 40. Il avait déjà fait un raid comme ça il y a très très longtemps. Bah, il y avait beaucoup plus de monde. Alors j'apprécie Jae qui, malgré le fait d'avoir une tortue de mer, ralentit pour être avec nous. Bah, c'est très sympa ça, toi. On est allez, je suis à Dunmorog là, je vais pouvoir prendre un fly. Simplement, je vais vous rejoindre. Oui, c'est moi, c'est Mamie Meltdown pour mon pseudo en jeu. Et donc, on essaiera de faire un regroupement général à Baie du Butin. Ceux qui veulent absolument gagner, eh bien, continuez. Mais moi, j'attendrai... ah ouais, toi, il nous attend à la Baie du Butin. Ah bah, c'est bon, ça, Mamie, maillot. Faire une sorte de second départ, tous dans le bateau. Je vous attendrai là-bas. Pour quel serveur que vous êtes, là? Dans la rame. Dans la rame. Ouais, mais tu sais, on est déjà parti, tu sais. Rejoindre la terre, le rivage, là-bas... Et à partir de là. Ouais, mais c'est que 20h50, ça m'étonnerait qu'il fasse juste une seule course comme ça. Si, je crois qu'il fait qu'une seule course. Les nouveaux modèles de personnages. Avec Nomad qui a l'air d'avoir inspiré tout l'air du monde pour pouvoir survivre sous l'eau. Alors, est-ce qu'il faut minimum 18 ans pour aller au Meltdown? Non, pas forcément. Il y a des jeunes qui sont accompagnés de leurs parents ce soir, donc tout le monde est la bienvenue. Allez, on arrive bientôt. Et où les fly déjà? Non, c'est dans Fort Jupiter. C'est de rejoindre les Dubutins dans Sanglerance où on prendra un bateau pour Kalimdor et de Cabestan, on rejoindra Orgrimmar à travers Durotar. Allez, on arrive bientôt au rivage. Je regarde, mais je vois qu'il y a des vrais professionnels du marathon derrière moi qui passent par des corniches. On va partir de là, je sais jamais où est-ce qu'ils pourraient aller. Arriver. Alors, ils sont pas oh très putain, il y en a qui se font attaquer carrément pour des dinosaures et tout. Tout coup de fait, premier, c'est pas tellement top. On n'a pas de temps, clair, mais on n'a pas de haut. Bah, si, il y a des haut level avec nous. Je vois effectivement qu'ils approchent de l'arène de Strangleronce. On n'y est pas très loin non plus. L'arène de Gurubashi. Ah, ça va bien, Fort Jupiter, ça va pas changer. On y approche, on est assez serré là pour la tête de la course. Alors qu'on m'a transformé en dindon. Ouais, mais oui, voilà. Alors je sais pas si je vais moins vite ou pas, mais je préfère rester en gnome. Oh, je peux pas, j'ai pas de thunes. Allez, le rivage. Oh, je crois pas, j'ai pas de thunes. Et effectivement, je vois que Meltdown Rush est en tête avec un autre. Ouh, le train d'Ironforge. C'est serré pour cette course ici au Meltdown. Belle pas. De Paris. Allez, dépêche-toi, souillure! Au rivage, ça se profile devant nous et à partir de là, on va pouvoir aller un peu plus vite. Bon, on a un peu de retard du coup à rattraper par rapport au groupe qui a choisi l'option du voile de la pénombre. Eh les gars, elle est où la gare de Ironforge? Ça veut dire cible amicale. Oh, je m'en rappelle plus. Elle est où? En train des profondeurs, c'est bon, j'ai trouvé. T'attends que tu reviennes? Oh la vache, ça va être chaud, hein. Ouais, bah tu crois que j'ai...
J'aurais pu voyager jusqu'à Elwynn, là, la forêt d'Elwynn. Mais j'ai pas le. Une. Tellement c'est un perso que je viens de créer, du coup j'ai pas de thune dessus. Ah ouais, donc en fait t'es aussi level 1, t'as pas de magie derrière. Voilà. Tant que t'arrives. Alors ceux qui veulent qui ne tente rien à rien. Ah oui, c'est clair, bon là, je pense que c'est niqué quoi. Et les autres qui veulent continuer, eh bien continuer, il n'y a pas de soucis. Il y a des levels combien ici à Strangleron, c'est 3 voilà. Ça, je crois, c'est ça. On arrive enfin sur le rivage. Je sais même pas quel level je suis. Il y a des trucs qui sont. De ne pas mourir. Oh putain, il y a complètement. Oh merde, j'ai refait demi-tour moi, quel con. Tout en regardant, oh là là, quel gogol. Oh putain, j'étais un peu devant là, c'est malin. Alors attention, là, un con. Un peu plus corsé. Non, je vais survivre. J'ai foi en mes cartes du corps. Oh là là, quel... Ah, on coupe un petit peu ici. Hop, et je reprends. Ah, c'est bon, je redépasse la tortue. Mais du butin qui se profile devant nous. J'ai pas trop envie d'aggro là, j'ai envie de rester près de la tortue de côte fait. Oh non, je l'ai loupé, j'ai pas vous attendre. Putain de merde, j'ai loupé le train. J'ai sauté dedans pile au moment où il démarrait, du coup je suis tombé en bas. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ah, y'a quoi? Je suis dans un bon petit groupe là, ça va. Ah, mais du butin. Je vais me mettre au milieu comme ça. Allez. Là, il va falloir éviter les nagas. Mais je vois que nos gardes du corps nous protègent. Un bateau qui arrive à baie du butin. Alors, apparemment, le groupe de le groupe de, du bois de la Bénombe qui dit qu'il va battre le groupe de l'océan. Les premiers qui montent dans le bateau. Ah, finalement on n'était pas si loin que ça. Hein. Mais je pense que. Bon là on va attendre tout le monde, mais je pense qu'effectivement on aurait perdu là parce que on va pas avoir le temps de monter dans le bateau. Alors là je sais pas s'il faut passer par la mer ou par la terre. J'hésite. Je vais passer par la terre. Alors que derrière moi. Trois gnomes déjà dans le bateau. Ah c'est parti. Qui sont déjà dans le bateau de baie du butin. Ah c'est bon. Je suis pas si mal mis que ça. Attention, des boules de feu qui partent. Ok c'est bon, on est encore en vie. Alors on me demande s'il y aura encore d'autres événements. Ok c'est bon. Organisé comme ça, oui sans doute. Que ce soit au Meltdown ou même depuis le studio Mami Twink. J'ai déjà des petites idées en tête. Et je vous tiendrai informé de l'organisation de ce genre d'événement. Allez, on arrive à baie du butin, le bateau qui vient juste de partir. Alors, je crois que le peloton de tête doit être composé d'une dizaine de gnomes à peine. 10 gnomes qui partent. 10 seulement, vache. Pour Orgrimmar. C'est quoi? Ah, il y en a seulement 10 qui sont partis. De notre côté, on va attendre le gros du groupe. Ah oui, ils partent, ouais, toi c'est le premier à Orgrimmar, quoi. Tout le monde arrive. Allez, vous êtes encore loin de Grimard là. Bah là on est à la baie du butin, là. Là je suis en train de d'arriver à la baie du butin. Je pense qu'on va laisser filer ce bateau et qu'on attendra le troisième bateau pour y aller. Ah non, ça c'est le bateau qui partait. Autant pour moi. Ah, on voit déjà pas mal de gnomes présents. Là, je suis vachement en retard sur le stream alors putain. Et c'est bizarre, tu sais, ils doivent se dire mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce bordel. Il y a des persos sur la rame. Oh putain, on a un regain de population sur la rame les gars. Ouais, on arrive. Que derrière moi ils arrivent à Cabestan, le peloton de tête, ils doivent être quoi? Allez, une 10-15 de gnomes. Je vois que le Meltdown représente bien, avec juste derrière moi les deux champions, j'ai l'impression, qui ont bien choisi leur place. Hein. Les deux joueurs qui sont en tête, ils sont juste derrière moi. Du monde qui commence à arriver. Je fais de la pub pour la chaîne en cas où. Alors je sais pas s'il y a des retardataires qui ont vraiment énormément de retard. T'as le monde qu'il y a quoi. Waouh, c'est ouf. On va
va attendre comme on peut. Je pense qu'on va attendre jusqu'au. Ah, vous allez arriver à Ogrimmar, vous allez vous faire défoncer. Sûrement. Dalaran, c'est un PVP ou PVE? Je sais même plus maintenant. Apparemment, il y a des gens qui. C'est PVP, hein. Pas eu droit au fabuleux garde du corps. Mais pourquoi je me. Allo, il se passe quoi ici? Il se passe quoi? Bah, tu crois que je vais faire quoi là? Mais lol, il neige ici, c'est quoi de ça? On dit que certains sont encore. Certains viennent à peine de rentrer dans. Putain, j'arrive plus à faire quelque chose. Est-ce que je suis en retard? Tu es vraiment très en retard. Faire un chasseur, comme ça je vais pouvoir les tirer de loin. Tu vas buter les autres. La file d'attente de gnomes qui arrive. Je me retourne pour voir derrière moi. La course qui arrive. Tous les autres à côté de toi. Du retard. Et qui du coup. On va remonter, j'ai bien l'impression. Oh putain le bordel. Et ils sont beaux les persos maintenant. Ouais, ils sont. Ouais, 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 franchement, ouais, ils sont trop beaux. Franchement, ça déchire. Ouais, c'est ça. Alors. Voilà le bateau qui arrive. Oh, mais maman, il est là. Et c'est bon. Yeah. Le deuxième bateau. Allez, on refait une petite pub pour Nounous. Dépêchez-vous de monter dans le bateau. N'hésitez surtout pas, ce serait con de tomber. Et après, le challenge, ce sera d'arriver le plus loin possible hors Grimmar, si vous voulez. Excellent. Duo du niveau 2. Allez, les derniers retardataires, dépêchez-vous de prendre le bateau avant qu'il ne parte. On va regarder ça, on va voir s'il y en a qui vont louper le bateau au dernier moment. C'est toujours drôle. Ah, le bateau bouge pas, bah oui, trop lourd. Ceux qui ratent le bateau pour une petite seconde. Mais non, je pense que la plupart des gens sont là. Non, encore quelques gnomes qui arrivent. Oh là là. Oh là là. Oh, tout juste. Alors là, bien joué. T'as le monde. Gnomette, tu as eu le bateau au dernier moment. C'est bien le Titanic? Bah bien sûr. Gnomes, bah oui, c'est clair. GG à vous. Ça, c'est quoi, bordel, la dernière partie de la course qui va se dérouler. Et merci tous ceux qui m'envoient des messages fort sympathiques. Allez, nous, de notre côté, on arrive à Cabestan, et derrière moi, eh bien, ça arrive. Déjà, donc, du retard, et je vois que d'autres gens attendent le troisième bateau. Alors, pas que je me perds. C'est par là. C'est parti. Allez, hop, on y va. On est parti pour le rush final de ce marathon de gnomes au Meltdown. Regardez-moi tout ce monde. Excellent. On a Zeroth. Allez, c'est parti. C'est par là. Alors, je sais pas par où vous passez, mais c'est par ici, Orgrimmar. Alors, je crois que vous vous êtes un peu trompé de chemin, les amis. Orgrimmar, c'est pas par là, mais c'est par ici. Non. Dans le mauvais sens. Il y en a qui sont partis du mauvais sens. Surveille également derrière moi. Alors je vois que la tête de la course a un peu de mal contre des crocodiles niveau 9. Et il se permet même de les attaquer. Mais il est aidé par un garde du corps. Ça c'est beau. Ah, c'est mort. Moi c'est mort. J'ai pris un mauvais chemin. On approche bientôt de du retard et donc du rush final de ce marathon. Ah, moi je prends de l'XP là en allant vers Rima. Avec la guilde Meltdown, les membres de la guilde. Ah non, c'est trop con. On a le GM et d'autres membres. Ouais, je vois le chemin qu'ils ont pris, putain. J'arrive. De notre côté, eh bien, on arrive tranquillement. On du retard et puis on approchera d'Orgrimmar. Et bientôt level 2 là. Alors oui, l'objectif c'est de rentrer dedans et d'arriver le plus loin possible dans Grimmar. Alors, chapeau au gnome qui arriverait à se hisser sur le Level 2. De Volgi. Ça ce serait
Ce serait un réel exploit. Niveau ah, je vais me faire démonter. 3, hein, bien sûr. Ah, t'es tout seul là en plus. Ah ouais, je me suis gouré de chemin. Oh là là. Crocodile ose m'attaquer. Mais fort heureusement, j'ai des gardes du corps pour me protéger. On arrive doucement. Doucement mais sûrement. Ah, c'est bon. Derrière moi, les premiers gnomes. J'ai repu. Ah, c'est bon, j'ai repris. C'est bon, le groupe est là. Même un qui a réussi à rentrer dedans. Ouf. Non, il est mort. Hein. Yuna derrière moi qui essaie de contourner les gardes, c'est marrant à voir. On vous en est où là? Oh, y en a qui trichent, ils prennent leurs trucs volants et tout quoi. Arrête. Ah ouais, on a qui triche à fond. 32 minutes qu'on court. Faudrait qu'on chronomètre, essayer de faire le record du monde. Putain, mais t'es repassé, ouais, t'es bien remonté même. Ouais. Allez, alors que ah ouais, Zéro c'est qui m'encourage, qui me dit que je peux arriver jusqu'à Bolin, ça m'étonnerait franchement. Ça va pas. Ah, y'en a qui ont des... Qui ne tente rien à rien. Des personnages sur leur... sur serveur là, et ils ont accès... à leur monture. Mais normalement j'y ai droit aussi, mais j'ai pas trouvé le truc pour trouver la monture. Profil devant nous, on en voit les premiers contours. Bah, les level 1, ils peuvent prendre des montures. Bah oui. Dans la capitale Horde 2, est-ce qu'on va réussir à rentrer dedans? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au trône de Vol'jin? Ce serait un réel exploit pour ce marathon. Non, c'est pas possible. Ça me semble bien. On y est tout proche en tout cas. Il faut être cavalier, il faut avoir la compétence pour ça. Je sais pas, en tout cas, il y en a qui sont level 1, ils ont une monture. On est à la fin. Certains gnomes qui annoncent déjà être dans Orgrimmar, les gnomes. Ouais, il est level 2 et il est en monture. La capitale de la Horde. Possible, il n'y a personne à Orgrimmar. On a même des niveaux 100 hein, pour m'accompagner, donc ça se trouve, ils vont pouvoir nous défendre. Des gardes, mais il faut avoir un garde qui met un coup sur un gnome niveau 3, et bien c'est one shot. Hein. Ah bah ouais, c'est one shot, c'est clair. Allez, on est bientôt là. Quelques hectomètres et on arrivera au but final de cette course à Orgrimmar. Oui, je vais tuer Vol'jin, bien sûr, du haut de mon niveau 3. Avec... mon bâton qui fait 1 à 3 de dégâts, ça va être aisé. Alors le défi c'est d'arriver jusqu'au trône de Vol'jin. Celui qui y parvient et qui prend un screenshot, ce sera le roi de ce marathon. Il y a personne à Orgrimmar, du coup je pense que il y a quelqu'un qui vous attend devant Orgrimmar. Allez, on y est. Quelques mètres et on est dans Orgrimmar. Il y a déjà des gnomes qui sont là. Sont là. Nombre, là beaucoup ah, ça va être chaud. Hein. Vous vous rendez... Oh non, je suis mort. Oh non. il s'est fait tuer. Il y a déjà plein de mini-cadavres ici. Mais pas 2 mètres avant Orgrimmar, quoi. Bernac. Comorez. Alors on me regarde. C'est quoi tout ce monde là? Bon, il y a bien un gnome qui doit être de mon level là. Bon, et je vois tout le monde qui me passe. Non, personne de mon level. Merci. Il cherchait son sort. Allez là. Et n'empêche, je suis gnome là. Il est où? Les autres gnomes sont passés. Hein. C'est à ce deux. Là, il y a un gnome sans stuff. Deuxième tentative. Vous arrivez au gnome? Non. Ah ouais, là, j'arrive. Là, je suis près de la porte. Allez. Ah, Meldown. Il y en a qu'au plein derrière. J'espère pas que c'est moi qui cours, hein. Allez, c'est parti. Il y en a qu'au plein derrière toi? Ouais, il y en a encore pas mal derrière. C'est pas à moi qu'ils en veulent. C'est bon. Je vais essayer de passer. Oh, putain. Oh non. C'est bon. A priori, c'est bon. Je vais peut-être pouvoir entrer dans Orgrimmar. Est-ce que je vais y parvenir? Non. Ok, c'est bon. Esquive. Ah oui!
la capitale de l'Europe. J'ai activé le GCJ, t'aurais pas dû. Il y a plein de gens en rouge là, j'ai un sac qui me cache. Ça va être chaud. Vous êtes tous morts. Pour moi, c'est bon. Le trône de Vol'jin qui est juste là-bas, on peut le faire. On peut y arriver. Il y a un petit gnome. C'est bon, esquive de la haut du DK, oui. Oh, c'est magnifique. Regardez ce slalom entre les gardes de Orgrimmar. Je rappelle, je suis niveau 3, on me tire dessus. En fait, j'ai une bubule. Non, Oui, je passe. 5 mètres devant le... Oh non. Merci, 0. C'est bon. Je suis de retour. Regardez tous ces... Allez, on va y arriver. Oh, je me suis fait buter. Ouais, par une flèche, putain. Oh, c'est bon. Dommage. C'est pas moi, parce que tu vas être sur terre, en fait. Ah, putain, il est arrivé, lui. Dommage. Nouveau chef de guerre de l'ordre pour l'Alliance. Et voilà. Ami violet. Ouais. Et c'est gagné. On a réussi. Pas trop ça, à les gens qui sont là. Ah putain, c'est con quoi. De Vol'jin, merci à Zéro qui m'a ressuscité deux fois. Et c'était bien marrant cette fin avec les esquives. Regardez, Vol'jin qui est complètement dépité de voir des gnomes niveau 1 débarquer dans son trône. Il doit se demander mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête à venir tout nu au niveau 3 dans mon phare. Et bravo aux autres gnomes qui ont réussi l'exploit de venir jusqu'ici. Je vois qu'il y a Giri qui a réussi à y arriver. Quel exploit, n'empêche. Je crois que c'est la première fois dans ma vie de marathonien que j'arrive à pénétrer avec un gnome, un nain ou quelconque autre personnage dans le fort de Vol'jin, enfin, de Garrosh avant et de Vol'jin aujourd'hui. Eh bien, on va encore laisser le temps à tout le monde d'arriver. Je vois qu'autour de moi... Alors, derrière moi, on essaye de rentrer et d'arriver jusqu'à Vol'jin. C'est vrai que tout seul, c'est un peu plus compliqué. Pour ce qui est de la suite de la soirée, on va faire gagner des loots. Oui, on va faire une pause et puis on fera gagner des loots ensuite. Je sais pas si tu as déjà eu de nombreux participants ou pas. Ou s'il faut annoncer à nouveau que vous pouvez remplir votre nom et pseudo sur un bout de papier. Votre pseudo est toi, Nounours. Mais a priori, tout le monde l'a fait. Nounours Land. C'est pour participer. Alors, ceux qui l'ont pas fait, ça se passe au bar. Non, Roberto. L'homme avec la chemise bleue au bout de carreau. Il y a des petits papiers. Vous y allez, vous remplissez votre nom et pseudo et vous aurez quelqu'un. De gagner des super loot après. Alors, si vous faites rigoler, c'est tous les orcs niveau best. 1. Il y a des gars qui ont créé des... Moi, je vois plus personne. Qui ont créé des orcs niveau 1 pour venir danser sur mon cadavre. Pas trop ça. Ça, c'est très marrant. J'avoue que j'y avais pas pensé. Donc GG à tous ceux qui, au lieu de créer un gnome et de participer à la course, ont créé un orc. Mais putain, en train de me faire festoyer. Oh putain, non. Quoi, t'es mort? Ouais. Ah là, ça va être dur. Je discuterai avec toi. Personne qui a réussi à avoir un coup. Désolé. On aura l'occasion de discuter après. Si, il y en a qui ont réussi. On a également le temps de venir discuter avec chacun d'entre vous. Voilà, maintenant, ça va être beaucoup plus dur. Bon, eh bien, les amis sur le live, je vais vous laisser. La soirée va se poursuivre ici au Meltdown. Je vais prendre une petite pause. Et en tout cas, ça a été un réel plaisir de streamer cet événement en direct du Meltdown. La soirée va se continuer, va se poursuivre après sans stream, puisque je me baladerai en fait dans la salle pour discuter avec tout le monde, pour animer la soirée, pour faire gagner les loots. Et puisque bon, les loots se gagnent ici au Meltdown, il n'y a pas grand intérêt de streamer. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de commenter cette course de gnome de l'intérieur et d'arriver jusqu'au trône de Vol'jin. Allez hop. Voilà. Allez, on va faire une petite pause et on vous retrouve après toi, juste après ici au Meltdown. Ah. Eh oui, putain. On y était presque. Mais qu'est-ce que tu fais?
Non. Oh, excuse-moi, j'ai pas... Bah, regarde. Oui, bah, ça va. Il y a bien 5 cm en plus que tantôt. Il y a eu un accident là-haut. Bah t'avais un personnage de la Horde là, Boumi? Bah je viens de le créer, un orc. Ah d'accord, c'est juste un... De toute façon on va se faire tout le temps démonter maintenant, hein. Vu que les PMJ sont là, à chaque fois on va se faire démonter. Ah non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand t'arrives près de ton corps, t'attends que les autres apparaissent, et tu réapparais... Ouais mais même... Non c'est impossible. Là j'essaie de tirer plus loin mais c'est impossible. Là je vais comme me faire buter. Ah, c'est clair. Voilà, fait buter. Direct. On va y arriver. On va y arriver. Et le trône de l'autre, il est au milieu, c'est ça? Ah, le trône de Thrall, il est... Ouais, il est plus loin, hein. Ah bon, il est encore très très loin. Parce que moi, j'ai jamais été... Hein? Il est dans la vallée de la force, hein, le trône. Mais non, il est dans... dans Grimar. Ah ouais, dans la vallée de la force. Ouais. D'accord, mais moi, je connais pas, alors... Ou la vallée de l'honneur. Attends. Merde... Ouais. Ouais, c'est la vallée de la force. C'est le tout gros bâtiment qui est en plein milieu de la vallée de la force, quand t'arrives dans Grimar. Oui, je sens le chat, je vais me changer. Ah, tu t'es fait buter directement quand t'es réapparu. Ah oh, bah oui, ça, direct. Ça veut rien dire, hein. Bah non, mais bon, s'ils sont déjà là, c'est qu'ils chantent bien, quoi. Je vois pas où ce qu'il est, le bazar, le trône. Je vois pas où ce qu'il est. Ah, je me rappelle plus trop non plus. Mais... bah, ouais. il est là, c'est la grande porte là, au milieu là, ouais. Ah, celle-là. Bon ben, je vais me faire buter. Merde. T'es déjà mort ? Non, pas encore.
Voilà. J'ai avancé de 10 mètres. Allez, c'est reparti. Ah, mais le mamie a triché, il s'est fait reste deux fois. Ah ouais? Ouais. On a choisi une chanson de merde aussi, quoi. Quoi? Oh yeah! Oui? Oui, bah c'est de la neige, Karine. Bah la tonne casse la route. T'as la vache, t'as vu ça, bébé, sur la rambarde, la neige. Y'a bien, ouais, 10 bons centimètres de neige. T'imagines si j'aurais déménagé, le bordel? Oh, tu m'étonnes. Ouah, t'aurais pas pu déménager pendant le temps comme ça, hein. Oh bah là, on aurait pu, déjà, mercredi, quoi, parce que, bon... Non, on a déménagé, il y a je dirais 10-15. Ah ouais, quand même. Ouais, comme moi, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Il neige aussi chez toi, Bonnie? Ouais, ouais. T'es où, toi? T'es à... Ouais, en Suisse, ouais. C'est quoi, t'es près de la frontière italienne? Oh non, je suis pas au Tessin, non. Non? Non, je parlerai pas français. Oh, mais plutôt suisse-allemand ou... Ah, suisse-allemand, ouais. Ou suisse-italien, tu vois. Suisse-allemand. Vous avez 5 secondes. Ah, mais tu connais pas les Suisses allemands. Ils parlent comme ça. J'ai 10 secondes. Non, les Suisses allemands, c'est plutôt comme ça que ça parle. C'est plutôt. Et t'es loin de Genève? Non, je suis à 30 minutes. Le cousin de ma femme, il habite là-bas. Il est chercheur. Il cherche des chercheurs. Il cherche des chercheurs. Il cherche les chercheurs. Et quoi, ça va, c'est pas trop la merde en Suisse avec ce qui s'est passé avec la thune et ça là. Quelle thune? Bah j'ai entendu qu'il y avait eu un stress avec, tu sais, ils avaient ouais, le truc de l'euro et des trucs comme ça là. Nous on n'est pas à l'euro donc on a pas non, de problème. Non mais je sais, mais en fait il y avait un plafond, ils avaient un plafond les Suisses qu'ils ont retiré et ça a fait dévaluer la monnaie suisse et Ah putain. J'espère que c'est là. Plutôt l'euro qui s'est pris un coup dans la gueule, c'est surtout ça. Ah, bon, la monnaie suisse, nous on n'a rien eu. J'ai même entendu des gens qui avaient changé des francs suisses en euros parce qu'ils avaient gagné de l'argent. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu ça à la télé, sur TF1 en plus ils en parlaient au journal. T'as les bandes de bâtards? Peut-être qu'ils ont pris les euros quand ils étaient bas et puis qu'ils l'ont changé quand ils étaient hauts, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a des gens, ils ont pris pour... 1000 ou 2000 euros, pardon, et ils ont gagné 400 ou 500 euros dessus, quoi. Ouais, bah, c'est possible, hein, quand l'euro est bas, ouais, bah, ouais, j'avais jamais pensé, il y a moyen de se faire des thunes, quand même. Ah ouais. Tu m'étonnes. Il y a moyen de se faire des thunes, en fait, quand l'euro est bas. Bah oui. Bah, je te dis, je sais pas si t'étais encore là tantôt, mais moi j'ai un pote, là, il a acheté 5 places pour la Tomorrowland. Il les a payés 200... Comment je te dis, Fanny? 200... 220 euros, il les a revendus 700 pièces ou 800 pièces, je sais plus. Hein? Ouais, il les a achetés, 2 minutes après ou 5 minutes après, il y avait plus de place à la Tomorrowland, il les a mis sur Internet, il les a déjà vendus tout ça 700. Oh putain, ouais, il s'est fait des couilles en or, le mec. Ouais, c'est clair qu'il est pas con, quoi. Bah oui, il a investi 1000 euros et voilà. Ouais, bah il a investi 1000 euros. Et là, il en a eu le double, le triple, et voilà. Ah oui, le triple. C'est vrai que c'est pas con. Ouais, ouais. Hein. Festival comme ça qui. Ouais, tu m'étonnes. Surtout celui-là, quoi. Ouais, la Tomorrowland, c'est. Là, quand tu penses que c'est un festival belge, quand on est quand même des malades. Mais tu vois, c'est con parce que tu vois, il aurait dû à quoi attendre avant de les vendre. Ouais, mais bon, c'est comme il a dit, je préfère les vendre tout de suite, tu vois. Que qu'il m'en reste une. Moi, j'aurais attendu quand même un peu. Ouais, genre tu les vends juste avant le festival. Ouais, ceux-là, ils auraient peut-être vendu encore plus. Hyper cher, là. Ah ouais, bah y a de l'année dernière, il y en a à 1000 ou 1500 euros qui sont partis. Bon, allez, on y croit, j'y suis presque. Allez, je vais venir te tuer, Nounours.
Je suis à l'entrée, je suis aux escaliers. J'avance par 10 mètres par 10 mètres. Il y a encore plein de gardes avant. Ah bah ça, je m'en doute, à mon avis. Le Kral aussi, il bute. Le Kral, il va te faire disparaître carrément de la map. Ah, j'y suis presque. Foutre un marteau de tonnerre. Ah ouais, il y en a pas mal en fait. Oh putain. Bah c'est vrai, je me fais démolir là et je serai... Il va fondre. Je me fais démolir là et je serai sous le siège. Ah putain. Et ils sont bien 50 000 quoi. Allez, sa mère. Oh, une flèche. Bon allez, le prochain c'est bon. Qu'il est. Je suis à l'entrée là, je vais rentrer. Oh putain, ouais, ils sont hyper. Hein. T'as fait pas 15 à 17 euros. Oh, t'as des nours quoi. Une flèche. Non, mais le prochain c'est bon, je suis dessus. Hein. En plus, c'est même pas Thrall qui est là, c'est Vol'jin. Bah c'est à Vol'jin qu'il faut... C'était sur le siège de Vol'jin. Non, bah c'est Vol'jin qui est là parce qu'il surveille pendant que Thrall est... Et dans les de côté de la porte. Ouais, il est en train de bosser, lui. Ouais, c'est ça, quoi. Il est gratuit, en plus, non? Il est gratuit? Non, mais je sais pas, hein, je dis ça... Non, moi je vais acheter 10 000, enfin c'est l'équivalent de 10 000 pièces d'or. Je suis sur le siège! Alors, on fait une petite photo pour mettre sur Twitter de mamie. Hein. Comme ça, il y aurait une excuse. Non, je te vois pas, Nounours, c'est où? Attends, je vais me. Je suis sur le siège, mais je suis quoi au fantôme dès que j'apparais? Tu vas mourir dès que t'apparais. Bah, je sais. Ouais, il y a un nounours, je vais le souiller. Oh putain, la galerie est pleine. Oh putain. Raise-moi. Enfoiré. T'es que d'amour. Putain, ma galerie est pleine, mais sérieux quoi. Je souille. Enfoiré. Attends. Je sais pas faire des screenshots en plus avec ici. Ah si, c'est bon. Tire-toi un peu, s'il te plaît, Bouy. Que je fasse le screen.
Ça va, il dérange pas trop mon cochon. Un petit peu, mais bon. Oh merde, je suis pas allé dessus. Voilà. Perfect. Bon, ben voilà, hein. Magnifique. Tout ça pour ça.